Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 6 d'Alan Wake. Et on devait rejoindre Barry, mais pour ça, on devait traverser les bois, comme indiqué sur l'objectif. Donc c'est parti. Ça va tellement tomber. Il y a un truc en haut. J'ai vu briller. Ça a brillé! Et ouais, le petit thermos. Le thermos de l'amour, on l'oublie pas. Venez, 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 venez! Hop là, bande de salopes! Et bah alors? Il m'en donne, autant les utiliser. Point de contrôle. Ok. Aïe, j'aurais dû tomber là-haut, je pense. Bon, j'étais pris dans le stress. Je sais pas ce que c'est ces tâches, hein. On va pas faire de conclusion hâtive, mais... Il semblerait que les possédés savent se faire plaisir. Enfin, sache se faire plaisir. Ah. On va prendre là... Quand même. Respecte-moi au minimum. Boum. Genre un petit coup de pied comme ça, ça... Voilà. Là, il y en avait plusieurs. Ils s'y sont mis à plusieurs. Hop. Je sais pas, j'ai dû en louper genre un ou deux des thermos de café. Sans faire l'américain, j'en ai quand même récupéré pas mal. Wow, petit bug. Comment dire, the darkness, le sombre, enfin, comment expliquer, les ombres, je sais pas, portent son visage, et c'est le visage d'une femme. Mais alors pour toi, j'ai quelque chose de spécifique, on appelle ça... Eh ben non, oh, t'es baisé, mon con. Allez, mange. Wow, deux balles, ok, bon, on sait à quoi ça sert maintenant. Ok, donc c'est pour les gros, le... Ok. Ah, c'est stylé quand même, petit effet de fumée après. Après utilisation. Post-utilisation. Voilà, il me redonne des balles de carabine. Y'a quoi là-haut? J'espère juste que je peux ressortir.
peu buggé par contre le système de grimpage. De grimpation. Bon, j'aime pas les ponts. Je dis tout de suite. Voilà. Munition de revolver et pile. Ok. Donc faut que j'aille là, mais là il y a un truc. Ou pas. Des fois ils te font des petites feintes comme ça. Ok. Je peux monter là-haut? Non. Tu te penses malin, Jean-Louis. Ah, y a pas que lui. Merde. Oh non, j'ai gaspillé. Oh. Je sais que c'était pour rien. Quoique c'est un gros lui aussi, non? Ouais, il me semble. Hein. Ouais, bah non, j'ai pas gaspillé. Enfin, si, je pense qu'on pouvait les avoir en. En un seul. Si je les avais laissés se rapprocher, mais bon. Sachant que un coup, ça m'enlève la moitié de ma vie. Si les deux se rapprochaient et qu'ils me défonçaient parce que je fail, je serais mort. Ça aurait pas été cool. Ah, on était là-bas tout à l'heure. Limite atteinte, ok, j'ai trop de balles. On était là-bas. Avec le cœur. Campground. Ok, on arrive. Je sais pas si on arrive, mais en tout cas. Enfin, non, on arrive quelque part, c'est sûr certain, mais après où? Je ne sais pas. Toi déjà t'es one shot frère. Il est derrière hein. Alors mon grand. Alors. Voilà. 3 balles. Bon là, y a-t-il quelque chose dans ces bois? Nope. Nope, nope, nope. Campground. J'aime bien le dire. Allez, une lumière, ça va faire un petit checkpoint. Bon, ça, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. Hein. Vous voyez de la bœuf? Barry? Il y a des pierres partout sur la véranda. Des points rimés des oiseaux. Reste bien caché. J'arrive. N'ouvre pas la porte. Je deviens plus fou. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les lumières allumées. Ok. Bah pourquoi on n'est pas passé par là en fait pour y aller? C'était vachement plus court. Mais bon. Il fallait encore que je rejoigne Barry au chalet. Mais au moins, j'étais sorti de la forêt. Trop de balles. Ouais, une voiture. Bonjour. Je devais sortir la voiture du garage verrouillé. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituaient un bonus non négligeable. C'est sûr. Moi, est-ce qu'elle est maudite, celle-là? Non. Oh, toi, être femme. Bonjour. Bah, y a des mûnes, hein.
Ah. Ah, je peux pas l'allumer. Ah bah sont là les clés. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est un être vivant, indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt, et Alice avec. En gros, si je fail, ma femme elle meurt. De la nature et de vous-même. Viens dans les phares, mon grand, viens. Alors, tu viens pas? C'est bien ce que je pensais. Biatch. On va conduire. Attention, si je me souviens bien, la conduite dans Alan Wake, elle était fameuse. Ouais. On peut sortir aussi? Ouais, ok, donc il y a des trucs. Ouais, on peut mettre les pleins phares, ok. Donc on va recommencer, on va faire le ménage et on va fouiller. Ok, il n'y a que ceux de... Allez, venez. En ligne. C'est un Ford, hein, je crois. Ils ont eu les licences. Oh, la caméra qui fait des siennes. C'est un Ford, hein. Ouais. Ouais, ils ont eu les licences. Ok. On peut la prendre, elle? Non. Bon, en fait, je pense qu'on doit juste se barrer. Parce qu'il commence à fumer le camion, donc on va se barrer. Il y a peut-être des thermos de café, des trucs comme ça, mais... Tant pis, hein. Parce que je suis en train de l'abîmer de ouf. Je peux pas changer de voiture. Ah, c'est les roues en fait, elles sont niquées, ce qui explique la conduite plus qu'hasardeuse. Bah, rip le Ford à 50 000 $, hein, écoute. Évidemment. Bon, les effets de fumée, par contre, on repassera. Mais... Le lance-fusée était sans doute la meilleure arme envisageable contre les ombres affreuses que j'affrontais. Blé. Le lance-fusée, je te jure, c'est mieux qu'un lance-roquette. Petit point de contrôle. C'était le ravisseur. Espèce d'enfoiré! Où est ma femme? Finito et Wake. Donnez-moi le manuscrit et vous pourrez récupérer votre femme. C'est pas compliqué. Écoutez. J'ai besoin de temps pour le terminer. Il me reste encore la fin à rédiger. Il me faut une semaine. Il est pas fini? Il me faut une semaine. Deux jours. La mine de charbon de Bright Falls est pas loin. Même un gars de la ville comme vous trouvera facilement. À midi, au bâtiment principal.
Oui, oui, je vous suis. C'est plutôt clair. Barry m'avait parlé d'oiseaux au téléphone. Allez, barrez-vous. Ah, mais attends, j'ai compris. Ok. On va affronter les oiseaux. Ils vont me rush en fait. Attends, il y a. Gros, il y a des. Faut que je loot! Y'a pas de mec, hein, rassure-moi. Ça, c'est un bait, ça. Je vais faire niquer après. Voilà. Je peux rentrer? Ah non, éliminer les oiseaux! Ah, d'accord! Il m'envoie au casse-pipe. Mais non, mais je suis dans le... Restez mignon là. C'est pas bon là. Là on faut combien? Bon, j'ai plus qu'une seule solution. J'ai gaspillé, je pensais qu'ils allaient me rush. J'ai plein de balles. Allez, venez les oiseaux. Mais c'est en défense, hein. Je vais pas me faire tuer par des oiseaux là, hein. Barry, tu peux ouvrir maintenant. Ils sont partis. Ok. Barry. Ah mais c'est barricadé de ouf. Il m'a ouvert derrière en fait. Oh non, ok, c'est rien. Désolé d'avoir pensé que t'avais pété un plomb. C'est pas grave. J'avais envoyé Barry en ville glaner des informations sur un homme correspondant à la description du ravisseur. Il devait consulter les archives du journal local. Il apprendrait peut-être quelque chose. Quoi que ce soit au sujet de l'île et du chalet disparu. L'homme voulait un manuscrit. J'allais devoir lui en écrire un pour récupérer Alice. Moi, le surnaturel n'avait été jusqu'à présent qu'une métaphore de la psyché de l'homme. Un outil de choix pour écrire une fiction. Et alors que j'y étais réellement confronté, il m'était impossible d'écrire le moindre mot. Oui, Barry Wheeler ? C'est Rose. Rose ? J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Oh. Super ! Vous êtes vraiment génial. Vous pourriez venir avec lui, les récupérer ? J'habite dans le parc des mobilhomes hors de la ville. On sera chez vous dans moins d'une heure. À plus tard. À tout de suite. Elle avait une voix bizarre, hein. Bonne journée à vous. Ouais. J'espère que ça vous a plu.
Bienvenue au Audio Dinner. Excellent. Drogue. Fin de l'épisode 2. Précédemment dans Alan Wake, Alice a été... Non. On se calme. Ok, donc merci d'avoir regardé cet épisode 5, il me semble. Si je dis pas de bêtises, si j'en dis tant pis, on survivra. Donc on se reverra pour le chapitre 3. Moi je vous laisse ici, et puis je vous dis à dans quelques jours. Salut.